Je rappelle qu'on est pendant le mois de Chaban et que pendant ce mois de Chaban, c'est bien de jeûner, bien sûr, pour celui qui peut. Pour celui qui peut, c'est bien de jeûner ou bien yani, de maintenant jusqu'au 15e jour. Ensuite, arrêter le 15e pour yani, reprendre les forces pour pouvoir jeûner le Ramadan. Ou bien celui qui veut jeûner même après le 15e jour, le 16, 17, 20, 25. C'est bien aussi, à deux conditions. La première, c'est de ne pas jeûner jusqu'à la veille du Ramadan, mais de laisser au moins un ou deux jours de séparation avec le Ramadan. Et la deuxième condition, c'est d'être quelqu'un qui a l'habitude de jeûner. Non. Et ce n'est pas quelqu'un, j'ai dit, qui ne va pas jeûner, par exemple, les 15 premiers jours du Chaban, qu'il est bien de jeûner. Et à partir du 16e, 17e, il va commencer. Il va dire, je vais commencer la dernière moitié. Ça, c'est pas bien. S'il veut jeûner à partir de maintenant, jusqu'à qu'il reste un jour ou deux, allez, c'est permis. Mais s'il attend que la moitié, il commence à jeûner, les savants disent, c'est pas bien. Et le mieux, comme j'ai dit, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner beaucoup, le mieux, c'est de laisser les 15 derniers jours, sauf pour quelqu'un qui a une habitude. Il a une habitude de jeûner chaque lundi et jeudi. Même si après le 15e, allez, il a l'habitude de jeûner les jours blancs, même si c'est après le 15e. Mais allez, pourquoi? Parce qu'il a une habitude. Voyez, mais autre chose pour terminer aussi, pendant le Chaban, il n'y a rien de spécifique, à part le siyam. Et bien sûr, de faire les bonnes œuvres. Car beaucoup croient que le 15e jour du Chaban, c'est un jour spécifique. Et on doit le jeûner. Et ils ne jeûnent pas pendant le mois de Chaban, ils jeûnent spécialement le 15e. Ça rentre dans la bida. Ça rend dans la bida aussi de croire que la nuit du 15e, c'est bien de prier la nuit. Il dit, nous sommes Nostra Chaban, donc je vais prier la nuit. Ça, les savants disent, ça rentre dans la bida. Ça rentre dans la bida. Non. Et il y a aussi qui font quelque chose de spécial. Il y en a qui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, c'est le 15e Chaban, donc on va faire yani, du couscous, ou bien on va faire de la rishta, ou bien de la harira, ou je ne sais pas, spécialement à cause de Chaban. Ça rentre aussi dans la bida. Ça y est.